Ok, salut à tous la famille, vous allez bien, vous allez super bien, vous avez passé un bon week-end? Ok, j'espère que ça va bien, moi ça va, on fait aller comme on dit. Alors tout d'abord, je voulais souhaiter vous avouer un truc de très grave. En fait, le truc c'est que, ok, je l'avoue, je ne suis pas très présent, pour ne pas dire trop absent, sur YouTube. C'est-à-dire que, bon, parfois dans la vie, il arrive qu'il y a des trucs que tu dois faire. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a des trucs à gérer, il y a des trucs à faire. À part le net, il y a la vie réelle, pas le virtuel, tu vois. Vous imaginez, même quand moi je dois faire mes vidéos, j'ai pas de petite équipe avec moi. Hein, c'est que moi et moi, en fait. Oui, il y a moi et moi. Parce que regardez, même là devant moi, là, il n'y a personne derrière la caméra. La seule personne qui me tient compagnie, c'est la caméra. Bref, tout ça pour dire qu'il faut absolument que tu mettes un like. Hein. Absolument, parce que à peu près 20 000 abonnés, vous me dites pas même 1000 j'aime. Non, quand même. Il faut que vous réagissiez, soyez réactifs, montrez-moi que vous êtes là. Un max de j'aime, un max de like, un max de partage. On fait ça turn, on fait péter la vidéo à 10 000. Allez, boum, on est fou. On fait ce qu'on veut. Hein? D'accord? Donc voilà, donc cette vidéo est consacrée entièrement aux parodies que je n'ai pas pu clipper ou que je n'ai pas sorti du tout. Parce que vous vous imaginez, un son qui date peut-être de 2011, je sors la parodie peut-être maintenant, ça ne va pas avoir le même écho, le même effet que si je l'avais sorti en même temps ou bien peut-être après le moment de sa sortie. Manque de moyens, je n'ai pas envie de faire un truc à la va-vite et pour dire que voilà, je l'ai fait. J'ai bien envie de faire les choses pour vous montrer que voilà, il y a du taf, il y a du travail, je ne vais pas faire un truc... À la s'en foutait, non, pas de travail bâclé, on essaie de faire les choses bien. Mais parfois, en essayant de faire les choses bien, on finit par ne pas les sortir du tout, tu vois. Donc voilà, hein, comme je l'ai dit, ça ne servirait à rien de sortir une parodie si c'est pour avoir 2000 vues, 3000 vues, non. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Faut me faire un truc qui explose, pas un truc qui fait un flop, carrément, non. Donc voilà. Donc on va commencer avec le son. Le son de Naïssi, je sais pas si vous connaissez le son. Filmé Kali, c'est vraiment à l'ancienne. Donc voilà, donc ceux qui le connaissent, ils vont vraiment voir le truc. A son système de direction casse là. A ka fapi man sel ka pointeur pour vos potes là. A ka trouvé sa suspect casse là, ka sa t'chauffe pas. Man sel ka chahé moi en cuisine pour montrer mon heureux pas. Bizarre, mais celle-là je la sentais pas. Un bruit se fit derrière moi, j'ai sorti des pas. Mougo ka sa main en 4 ans, j'appare et prenez pas. C'est une chose de fini, on voit le rap. On va poursuivre gâté, on a bien coulé, on va abouti. On va abouti, on va abouti. Yeah, 6Z matin pour voir quand les veilles travaillent. Mise à fond, sous-montré, donc négo, faut qu'on débaille. Menzel par arrêté pour moi toute la journée en série, aïe. Amoureux et beauté, il dit c'est sa quotidien, aïe. Donc là, c'est pas ni manger la moitié noire. Si bon, la presse, moi j'ai dit les trouvés, ça me dégoûte. Si un tient buteur, ça prend pas si qu'il répond moins. T'es pas contre petit débat. On va poursuivre. Donc voilà, ça c'était. Le son de Naïssi. Donc on va poursuivre avec le son de Wiz Khalifa. Il n'est pas tout seul, il est en feat avec certaines personnes. J'oublie le nom du son, mais de toute façon, vous inquiétez pas. Je vais mettre voilà, juste en bas là, le nom de l'artiste et le titre de la chanson de la personne. Comme ça, vous verrez, vous pourrez refaire les recherches, voir quel est le son et vous verrez les similitudes qu'il y a entre le son original et la parodie. Donc il faut savoir que moi, quand je compose une parodie, j'essaye au maximum de faire la parodie ressembler au son. C'est-à-dire que dans les terminaisons des mots, si par exemple c'est « on », j'essaye de faire, de dire je crois un truc en « on », sur la maison, en tendance, tu vois, un truc qui ressemble obligatoirement. Donc tu vas peut-être voir des similitudes comme ça. Moi, je suis très, très lyrics. Je ne vais pas faire un truc du genre que le truc se finit par « on » et je vais dire un truc en « i ». Non, non, ça ne m'intéresse pas. Ça peut arriver effectivement que je le fasse. Mais c'est vraiment si il n'y a pas de truc qui rentre bien avec le lyrics, bien avec le thème de la parodie. Dernière chose aussi que je tenais à préciser, c'est que quand je fais une parodie, je n'essaie pas de dénigrer l'artiste ni de me moquer de l'artiste. Au contraire, c'est-à-dire que moi, j'aime très le son. Donc, c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup le son. Donc, si je l'aime énormément, logiquement, il y a une petite... Un petit déclic dans ma tête qui va me faire une connerie. Moi, c'est comme ça, la connerie sort automatiquement de moi. Quand j'entends un son, moi, je me dis, oh putain, ça peut le faire. Ah, si je passe ça, ah, tu vois, il y a plein de trucs. En fait, on est plusieurs dans ma tête. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, on est plusieurs. Donc, c'est ce qui fait en fait que souvent, je fais des parodies.
Mais à ce qui m'est arrivé, depuis que ma meuf m'a quitté, debout maintenant je me mets à pisser. Maintenant ma vie s'est transformée et je me suis trouvé une sex friend. Yeah. Et je me suis trouvé une sex friend. Oh, oh. Mais c'est pas ça qui me gêne, c'est que elle a le permis. Elle conduit vraiment comme une cinglée. Même en agglomération, elle conduit à sens. Et je lui dis pas baby friend. Oh, si je disais pas ma chérie girlfriend. Oh, hey. Ma chérie friend, fais attention, on n'est pas pressé, on fait pas la course. Des fois je me dis que tu le fais pas par exprès, mais lors de contrôle tu dis que c'est moi qui conduis. Ouais, si c'est pour la baise, y a pas de limite. Là maintenant on va passer au son de La Tchad, La Tchad. La Tchad qui a fait un son, je sais plus en quelle année, mais c'est arrivé au dog. Dog, j'ai oublié. Ouais, ça fait un peu longtemps quand même. Mais à ce moment-là, ça, je connaissais. Donc moi, j'ai fait « Carry your girl ». Le truc en plus, c'est que quand je l'ai lâché, c'est-à-dire que je l'ai lâché sur mon compte Facebook, le truc, c'est que beaucoup de personnes ont dû se reconnaître dedans, mais beaucoup de personnes l'ont pris pour eux, justement. Alors que moi, quand je fais une parodie, moi, je n'attaque personne. C'est des trucs de la vie. Moi, je dis la vérité. Il y a des trucs comme ça qui se passent. Il y a des trucs qui arrivent. Donc, moi, je dis ce que je vois, quoi. Tu vois, je m'inspire de divers thèmes. Moi, que ce soit un thème sensible ou un thème véridique, peu importe. Moi, je lâche. J'ai pas de clash à faire en parodie. Non, quand même. Si c'était un clash, moi, j'aurais vraiment nommé le nom de la personne. J'aurais pas choisi une parodie pour faire un clash. Ça, c'est clair et net. Donc oui, effectivement, dans le métier de chanteur, ça peut arriver forcément qu'il y a certaines personnes qui prennent les paroles pour eux. Ça tombe dans des jardins alors que c'est même pas télécommandé, c'est même pas guidé. Non, c'est pas pour vous en fait. Quelle vulgaire. Arrête d'accord pour respecter. Mais faut respecter moi aussi. Écoute, y'a respecté Bouga, même si qu'a pris un K.A.O. Ou qu'a foutu pelle l'op pour dire ou à tonton A.O. Menti A.O. Y qu'a payé ou à les A.O. En plus, il n'y a pas dit, y qu'a fait tourner tous les soirs. Donc, pas à dire qu'un homme a fait ici ou. Sou qu'a tourner tous les soirs, à d'un plaisir voici. Ou qu'a dit non, ma conscience, ce soir, j'ai pas envie. Mais si on d'autres contacts, ou qu'a dit oui, c'est pas aussi. Koke, mais si mouna, on sait qui qu'a payé Bao. Mandant ou qu'a sorti pour I want to a man A.O. Y déjà pardonné ou pas baissé chalet A.O. En plus, ou qu'a repos de plus belle en Nietzsche. Ou déjà avorté en première fois pour un autre book. Ou qu'a dit copine a rebelle, mais c'est very good. Mais ça ne t'empêche pas de voir tromper ton gars. Le plus de ça, c'est que des amants t'en as un tas. Carry your girl. Ou pas qu'à mettre l'eau en divin, oh girl. Ok. Carry your girl. J'ai oublié le nom. Ouais, chargé. Il disait Kalash est chargé. Je vais goûter un peu le truc, hein. iPhone est chargé. Merde, ça l'aime pas. Là, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? iPhone est chargé. Bien. Hier, j'étais un con. Je suis toujours. En calcul mental, je suis un bouffon. En plein examen, nos calculatrices n'est qu'un mémé. Je serai le moins iPhone pour calculer les poids sur tes rounds depuis ta mort. Le surveilleur me surveille, il me voit, je le vois, mais il a pas très bon oeil. Les matchs, les aime pas, ça m'a toujours niqué. Je préfère mater et après les niquer. Le bac pour picher, mais vaut mieux éviter. Le bac est relou, on préfère éviter. 17 pouces, parce que chargé. En dessous de 17, rapproche le malaise. Après, c'est la mort comme tomber d'une falaise. Je suis pas mêlé, faut que je trouve un chargeur. Écoute le son de mon phone, il n'a presque plus d'énergie. Je m'arrêterai d'être violent quand je retrouve un chargeur pour mon iPhone. Je crois mon iPhone et Eagle. C'est bon ta gueule, j'ai trouvé. Il demandait de que j'ai tout fourré. Une heure après et j'ai pu constater. iPhone est chargé. Donc voilà, donc moi, en fait moi je vous ai toujours dit ça. En fait c'est vous qui décidez, c'est vous le public, c'est vous. C'est à la demande du public, tu vois. Donc si vous êtes chaud pour qu'une parodie sorte parmi les parodies que j'ai citées ou que je vais citer, Vous mettez en commentaire, vous me dites et puis on va voir ce qu'on fait. En fait, c'est avec vous que tout avance. Moi, je vais pas faire une parodie pour avoir 2000 vues. Non, à quoi ça sert? Tout là-bas, en général, moi, j'essaie toujours de faire les choses bien, tu vois. Donc moi, je vais pas avoir un truc pour 2000 vues. Donc, c'est vous. Un max de pouces, un max de likes, un max de partage. Et on balance ça.
Pourquoi pas? Là maintenant, on passe au son de Justin Bieber. What do you mean? Je sais pas si vous connaissez, mais c'est voilà. J'ai fait un. Un délire pas mal. Franchement, j'ai bien kiffé. C'est dommage que j'ai pas pu faire la parodie. En clip, bien effectivement, clip vidéo. Mais ça l'aurait fait, franchement. Parce que moi, vous savez quoi? Je sais danser. Oh oh oh. Remuer mes petites fesses. Secourir mon popotin. Je sais danser. Hey, hey, hey. Je sens même tirer un mot. En fait, j'aime un fort et tout. Voilà, je vous donne pas tout. Franchement, c'est une parodie qui est super bien. Pour bouger surtout. Donc, ah, ok. Bon, on passe à ce son. Le son de mon poteau, Degayout. Je sais pas si vous connaissez. Au pire des cas, vous allez. Je mets le titre du son et le nom. Degayout. Vous allez voir. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est un son que j'avais fait du temps de la Team Bordel. Il disait sous que les fessiers. Eh bien, moi, j'ai fait sous que les geeky. Boum. Je vous fais écouter. C'est le petit délire bien court. Ah, pas tout dire. Et les textes sont ici, quand même. Au moins, quand on voit ça bien. Voilà, donc c'est un petit délire bien propre, bien sale. On passe au dernier, il s'intitule de Bruno Mars. J'oublie le nom aussi, ça fait très longtemps, mais je sais que c'est Bruno Mars qui le chante. Et celui-là, je sais pas, mais et je l'aime tellement, je sais pas, mais ouais, je l'ai kiffé à fond. Je l'ai kiffé ce son-là, ça, franchement, je vous fais goûter. Hein. C'est pas possible, cette histoire. Je pense que ce n'est pas seulement moi que cela arrive. Je suis allé acheter un bouquet avec une sexy lady. J'ai demandé jambon, fromage, ketchup, mayo et piment. Oh non, j'aurais pas dû faire ça parce que c'est vraiment chaud. Quand je vais chier, oh non, arrive chez moi, c'est direction là. Donc voilà, donc en fait j'ai mélangé les sons, c'est-à-dire les sons locaux, nationaux, internationaux, peu importe. Hein. J'ai mélangé les sons, j'ai pas mis entier parce que je comptais faire un entier, un local, international, mais bon, je me suis dit bon, vaut mieux mélanger les trucs et voilà. Donc il y a ça, c'est la première partie de la vidéo. Il y aura une deuxième partie. Bon, je vous demande un max de mobilisation, likez, partagez, mettez des pouces, faites tout ce que vous pouvez faire, mais faites ça exploser pour moi. Vous êtes près de 20 000 abonnés. Il est temps de vous montrer, il est temps de faire les trucs. Bon, si vous faites ça pour moi, moi je suis d'accord que je ferai plus de vidéos. Moi je vous le promets. Donc moi je veux voir déjà votre motivation et sinon. Qu'est-ce que j'ai pour vidéo de? Suis-moi sur tous mes réseaux. Lâche un commentaire, c'est un truc à dire. Si c'est une parodie que tu voudrais voir, que tu voudrais que je produise, que tes pouces bleus et ton commentaire, tu lâches, tu fais tout, mon gars. On est là, on est ensemble, wesh. Je bave sur moi, wesh. Allez, salut la famille.